Yo yo les mecs, salut les techniciens et salut tout le monde. Ça va quoi les gars? Tranquille. Oh tu vas voir l'équipe, tu vas te foutre de ma gueule. Qu'est-ce que tu veux skill avec des mecs comme ça là? Pourquoi j'ai accepté ce défi? Bah honnêtement moi je miserais plutôt sur une qualification de l'OL. Si évidemment la Juve continue à jouer comme ils ont joué dernièrement. Donc après on verra bien mais en vrai de vrai, j'ai un peu hâte de ce match là. Je vais croquer même avec des 3 étoiles. Bah franchement si je croque avec Paul Scholes. Là, je suis pas un croqueur, là, je suis un trou de balle. Il y a quelques joueurs qui sont sympatoches, t'as vu. Mais sinon, en gros, t'as déjà vu une équipe comme ça, vraiment? Genre en Future Pion, tu vois ce genre d'équipe? Je fais ça à l'arrache, en vrai, parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait Future Pion et j'ai pas joué en 4-1-2-1-2, mais de toute façon, on va devoir improviser. Et là, je vais tous leur demander de revenir en arrière, parce que laisse tomber. On va se manger des contre-attaques avec je sais pas qui, là, sur les côtés. Déjà que notre milieu il est pas très rapide et surtout pas très agile et équilibre et tout ça. Faut faire quand même super attention en vrai. Je vous avais promis de façon de faire un futur pur avec Bobby et Gary. Les deux icônes un petit peu de notre club. C'est un symbole de jouer avec eux. Et là on va faire un futur pur entier avec eux et aussi une équipe entre guillemets originale avec des joueurs que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser. Et qui ont évidemment 3 étoiles en geste technique maximum. Bon, premier match. Ok, on tombe contre une équipe très bizarre. Bah, tant mieux en vrai. C'est parti les gars. Gary, c'est parti la Necker. Oh là. Oh là, mais c'est le GOAT. Mais c'est le GOAT. Wesh. Oh, le triplé. Le triplé en 10 minutes de Gary, mais attends, mais c'est un départ parfait. Et restez concentré quand même. On connaît ces futurs pions là où tu démarres comme un malade mental et puis genre le prochain match t'affrontes un mec qui fait top 100, il te fait un deuxième trou de balle et puis après tu pleures. Ok, Mbappé, Wissam, Messi, Semedo. Belle petite équipe, même si les joueurs sont pas incroyables. Il a pas de milieu défensif central par contre. J'allais dire c'est ça, Belotti, c'est quoi cet arrêt de ouf? C'est ça, Müller. La roulette, elle va être importante. Zagari. Aïe aïe aïe, c'est magnifique, bien joué ça Gary. Moi je vois, après moi, je vois bien, genre Bayern ou City aller en finale. Une des deux équipes. C'est un Totti ça, c'est qui? Kanté? Ouh. De toute façon il l'a paqué hein. Bien joué Samuel. Faut que je sois patient là dans ce match. Hein. Là, je peux pas me permettre de faire trop de gestes techniques en vrai. Parce que si j'en fais un, je peux perdre de ballon vu que les joueurs ils sont pas fous en gestes techniques. Bien joué. Il a une équipe, une attaque full, 5 étoiles au pied. Et ça joue comme ça. Désolé les gars, je commence à me plaindre, mais la communauté elle me fait tellement rire. Il peut faire exactement la même chose avec des joueurs qui n'ont pas 5 étoiles au pied. Hein. Bah déjà, on va pas faire les hypocrites. Hein. Mais à Atalanta, on les voyait même pas ici. Hein. Tous ceux qui disent, ouais, l'Atalanta, ils font une bonne saison. De toute façon, moi, je les voyais aller loin en Ligue des Champions. Quelle bande de mythos. Dans les groupes, ils étaient pratiquement éliminés. Bien sûr. Bien vu, Gary. Ça, Müller. Bien joué, gros. Un peu de réussite là, on a bien résisté avec Gary. Là c'est du lourd. Dalglish, Vini, Dembouz, Ribéry, beaucoup de Summerit. Là c'est du très très lourd. Bien vu ça les mecs. Bordel.
putain, bah ouais. Ah, par contre, là, c'est un peu abusé, toutes les mauvaises passes. Oh, le mec, il est nul. Ces dragbacks, ils sont complètement cons. Il fait n'importe quoi avec ses dragbacks. Genre, le mec, il fait des dragbacks parce qu'il sait que c'est fort, mais il sait même pas où est-ce qu'il faut les faire. Tu t'anticipes ces foutus dragbacks et bordel. Allez, refais-en, non? Ok, t'as. C'est sûr, c'est trop facile à défendre. Sauf qu'il va réussir à passer parce qu'il y a toujours des comptes de merde avec Frostbite à la con. Il est pas sorti complètement, fait chier. Fait chier. Obligé de reculer comme une timpe, putain. Bien joué à toi, frérot. J'espère que tu vas faire hors 1 minimum. Genre, il y a un pro, il a dit voilà, les dragbacks sont méta. Donc, le mec, en fait, il joue en dragback. Il sait pas où est-ce qu'il faut le placer, il sait pas où est-ce qu'il faut le faire. Le mec, il fait dragback avec Ribéry qui était en défense. C'est n'importe quoi. Wouah, Van Dijk en rouge. Eh, les gars, en fait, vous avez eu des bons rouges du coup, ces dernières semaines ou pas? Tu vois, j'ai failli la perdre. J'anticipe ce qu'il fait. C'est ça que je reproche à ce jeu depuis le Tornado. C'est que moi je connais tous les gestes techniques du jeu, tu vois. C'est palmarès de Hamslow, je connais tous les gestes techniques du jeu, tu vois. Donc je sais défendre sur les gestes techniques. Le souci c'est que c'est devenu genre aléatoire, j'ai l'impression. Le mec il a failli passer alors que j'ai anticipé, je sais ce qu'il va faire. Et t'es pas si récompensé quand t'anticipes en fait. C'est ça qui est con. Ah, Müller il veut pas. Pas très joli ce but, mais on prend. Comment il s'appelle, Renato, non? Juarez en rouge. Et même Gary, les deux, ils nous ont été utiles. Hein. Bien joué. Bien joué, Müller. Mais il sera pas aussi fort techniquement qu'un Messi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien joué à toi. Ah, y'a faute? Zizou! Bien joué, N'Golan. Il est pas sur le... dans les 11. Dybala. Maintenant, on va tomber contre que des mecs avec des joueurs en prêt. Ça va être chiant de ouf. Déjà que les gens, ils ont des équipes de malades. Tu rajoutes les joueurs en prêt. Aïe, aïe. Ah, faut courir ou pas? Putain, c'est Mané Tots en plus. Magnifique. Merci, Belotti. Bien vu, Belotti. Bien joué. Bien joué, Belotti. Que du summer hit, pratiquement. Parce qu'il paraît, pour eSport, le drag back, c'est un geste complexe. Bien joué, Lineker. J'essaye pas de skill. Non, c'est pas que j'essaye pas de skill, c'est que je suis obligé de jouer avec que des joueurs qui ont 3 étoiles en geste technique maximum, mais ils sont pas forcément méta, ni forts, et je dois pas faire drag back. Carton rouge, là, non? Bien vu, Gary. Bien vu ça, bordel. Elle est belle son équipe. Il y a le nouveau Brian en plus là en DG.
Bien vu, Müller. Ah, fais chier. Bien joué, Müller. 6 buts et 3 passés, alors que logiquement, enfin normalement, plutôt, il doit en marquer plus, hein. Gary, par contre, il est là. Il est là, pareil pour Müller. Müller et Gary, c'est vraiment les deux joueurs qui sont les meilleurs, en fait, en attaque. Di Maria en rouge, Mbappé. Ok, ok. Aïe, aïe. Quelle galère, ce pressing. Frère, c'est la 8e minute de jeu. Bien joué, mec. Ça mérite. Ça va être que ça, de toute façon, maintenant. Donc là, on entre... comme on avait dit hier, en fait, le samedi et le dimanche, c'est un peu plus compliqué. Bien joué, Gary. Ça, Gary. Merci, Gary. Oh, regarde, tu veux faire quoi? Boutra, il affronte Ramos, Van Dijk, Totti, Roussillon, Semedo, c'est trop compliqué. Non, Bobby... Bien joué, Müller. Bien joué, Gary. Pourquoi a duré ce cours? Bien joué, Gary. Ouais, je me mets en 4-3-1, vous avez un petit peu? Félix, je le ferai peut-être à la fin de ce week-end, parce que du coup, je mettrai Bellotti dedans, non? Merde. Bordel. Bien joué, Gattuso. Il a Félix, lui, par contre. Ramos en rouge. Bordel. Ça, c'est pas mal, ça. Bien joué, les mecs. Le poteau. Bien joué. Merci Bellotti. Bien joué, mec. Évidemment, tu fais un chute. Il a Ronnie Zidane. Ce qui me fume, c'est que les mecs, ils voient mon équipe. J'ai Gattuso, j'ai Paul Scholes. Ça tape des chutes, ça laisse tous les ralentis. Mais bon, c'est le jeu, il est pété. C'est Yesport qui leur dit de jouer comme ça. Enrouler du pied droit et essayer de chercher le petit filet. On sait tous que j'aurais dû faire une vieille frappe au premier poteau. Comme ça, là. Bam. Les gars, aidez-moi. Aidez-moi. J'ai besoin d'aide. Oh là là, Gary, c'est ça qu'on veut voir. Belle cette passe, elle est très belle.
Et il est beau ce but. Il est très très beau. Bien joué ça. Plus t'as Zizou. Zizou il manque de ouf. Zidane, Pogba et tout, ça me manque trop. Je mange deux buts en 2 secondes sur des erreurs tellement débiles que je dois éviter. Pas en jeu, allez Gary. C'est ça Gary, merci Gary. Mbappé birthday. Ouais, c'est quoi cette équipe aussi là? Qu'est-ce que tu mets des mecs comme ça là? Il a le même logo que moi en plus là. Il va me déboîter la gueule. Enfin, il a mis CR7 sur les côtés. Je sais pourquoi, il va faire les fans de frappe, regardez. T'es sûr? Ça fait chier, CR7 sur le côté pour faire ça. Mais pour le soir, je dirais Bayern vainqueur et Barça vainqueur. Les deux, ils passent. On n'a pas dit le dernier mot, hein. Il faut hors 2, hein. Hors 2, bordel. Objectif, hors 2. Pas fini. C'est dur de rester concentré, en vrai, mais putain, c'est pas fini. Après, pour les buteurs, je dirais, comme je disais tout à l'heure, pour du côté NAB, je dirais Mertens ou Insigne. Et pour le Barça, je dirais surtout Messi Suarez. Bonne soirée, Skum. Merde, j'ai pas vu. J'aurais pu faire une équipe avec Werner devant, Vardy sur les côtés, Boutragono et tout le bordel. Mais je voulais vraiment me rendre la tâche bien plus compliquée pour que je m'énerve bien, tu vois. J'aime souffrir. Bah, j'aime les défis. J'adore les défis. Même si c'est compliqué, j'adore les défis. Même si je me plains comme un trou de balle H24, je préfère faire ça que... Parce que moi, tu me donnes une équipe méta, 100% méta, Mbappé Futbersay, Samax Futbersay. Je fais 800 dryback, c'est pas un défi ça pour moi. Parce que tout le monde joue pareil. Tout le monde sait comment jouer. C'est pas un défi. Le défi, c'est de faire le contraire. Jouer avec une équipe que t'as pas forcément l'habitude de jouer. Jouer avec des joueurs que t'as pas forcément l'habitude de jouer. Jouer avec un style de jeu que t'as pas l'habitude de jouer. C'est ça le défi. En plus, je m'autorise même pas les dragbacks qui sont qui est le seul geste technique qui peut être efficace avec des joueurs comme ça qui sont pas agiles. J'en veux surtout à eSport d'avoir instauré une méta où t'as qu'une façon de jouer. Y'a pas en jeu, non, y'a but. Bien joué, Gary. Tu vois, cette fin de frappe là, je dois la faire, ensuite passe en retrait et bam. Ça, je dois le faire, je le fais pas assez. Mais vous avez vu l'action de Bernardeschi, gros, il aurait pu la mettre et tout, le mec il voulait rentrer dedans. Il voulait rentrer dans les cages. Après, Lyon, ils ont bien défendu, mais... Oh, il y a le marchand en défense, Fulham qui est en première ligue maintenant. Bizarre son équipe, j'arrive pas à le croire que Belotti, il a autant de force et autant d'agressivité. Ah, t'es magnifique cette passe. Comment ça, fais-tu en faisant skill? Ça va pas du tout, mec. Je vais aller chez le psychologue, je pense, la semaine prochaine. Bien joué, Belotti. Backjar or Prime. Petit 83, ça fait toujours plaisir. Et on a le buteur, les gars. Ah, c'est un signe. Il n'y a que des signes aujourd'hui. On a l'anglais. Bravo au Barça pour leur qualification, les gars. Ah, c'est un signe. C'est Insigne qui va marquer. C'est pas Mertens, les gars. Si Naples marque, c'est Insigne. Oh, c'est ça le signe, les gars. C'est ça le signe, les mecs. Eh, si Insigne il marque. J'ai juré que je reprends les paris. Tête de homme. On va encore se plaindre encore demain. C'est pas grave. Mais il faut qu'on résiste. Il faut qu'on termine hors deux. Et on aura réussi l'objectif de mort. Bref, passez une bonne soirée, les gars. Une bonne soirée à Ligue des Champions. On se capte demain pour la suite et la fin de ce futur champion. Et si vous faites futur champion, bonne chance. En vrai, je pense pas que vous faites futur champion. Vous avez tellement raison. Mais voilà. Passez une bonne soirée, les gars. Bon match. Et on se capte demain. Bonne soirée, les mecs.